Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv pour ce reportage consacré aux artisanales de Chartres. Vous étiez nombreux, même très nombreux, à avoir fait le déplacement pour aller à la rencontre des artisans qui, le temps d'un week-end, ont partagé sur l'exercice de leur métier. Du 7 au 10 octobre, c'est l'artisanat dans toute sa grandeur qui était proposé aux Euréliens. Était représenté l'artisanat côté culinaire, mais aussi le bâtiment, en passant même par l'automobile. Le président des artisanales de Chartres répond à nos questions. Alors, voici une nouvelle édition des artisanales de Chartres. Vous avez l'habitude maintenant, mais je pense qu'il y a quand même une pression chaque année. Oui, tous les ans, il y a la pression des exposants en premier pour remplir le salon. Mais là encore, cette année, nous avons fait le plein en termes d'exposants, puisque 500 exposants sont au rendez-vous. Et puis, la pression du temps, des visiteurs, est-ce que les visiteurs sont attendus? Je rappelle quand même qu'il y a 70 000 visiteurs qui sont attendus. Vous le voyez derrière moi, la circulation est dense, la fréquentation est importante. Et à l'intérieur, dans les chapiteaux, on circule bien et les exposants sont contents de la fréquentation. Alors cette année, vous avez opté pour un thème autour du Mexique. Pourquoi ce choix? Alors le choix du Mexique, il date un petit peu, parce que c'était en début d'année, c'était l'année du Mexique en France. Donc nous avions décidé de mettre à l'honneur des artisans mexicains. On a eu de très bons contacts, des très bons retours avec nos artisans mexicains. Et on a continué dans cette thématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve trois pôles importants avec des artisans mexicains, le pôle alimentaire, le pôle bâtiment et le pôle décommode derrière, où il y a énormément d'artisans mexicains très colorés, comme je vous invite à aller les voir nombreux. Si cette manifestation grandit année après année, c'est surtout grâce au public qui se déplace de plus en plus nombreux. Nous leur avons demandé la raison de leur présence. Alors, vous aussi, vous êtes présent aux artisanales. Vous veniez rechercher quelque chose en particulier ici? Non, absolument pas. J'étais venu comme tous les ans, voir un peu les artisans travailler, voir un peu le changement dans les goûts culinaires, un peu, voir les nouveautés et tout ce qui se fait ici. Et vous êtes satisfait de ce que vous voyez aujourd'hui? Ben, tout à fait. Je m'aperçois que ce qu'on mange en grande surface et ce qui est fait par nos artisans est totalement différent. Il y a une question de travail de l'artisan, quelque chose d'extraordinaire à voir et à faire connaître à nos enfants que des produits peuvent être faits par des artisans et non pas par des grandes chaînes alimentaires. On voit le travail et on peut déguster sur place, c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de voir ça tout le temps, tous les jours, quoi. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Vraiment pour connaître des choses, pour en apprendre plus, tout ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Récemment chartraine, en fait, je viens d'emménager sur Chartres avec mon ami, et c'est vrai que c'est un événement qu'on avait déjà entendu parler mais qu'on connaissait pas, donc c'était l'occasion de venir découvrir comme on était là ce week-end en plus. Donc c'est plus une question de découverte et voir un petit peu comment Chartres s'anime pour un peu mieux connaître la ville aussi. Si cette 18e édition est un véritable succès, les Chartrains attendent déjà avec impatience celle de l'année prochaine.